Hey, salut les gamers et les gameuses, après cette introduction avec la belle carte graphique GeForce GTX 1080, nous allons refaire une petite vidéo parlant de ces cartes graphiques de la série Pascal de Nvidia. Donc, qu'allons-nous parler dans cette vidéo? Ben, nous allons parler des performances de ce que Nvidia nous annonce dans sa convention. Mais d'un air un peu plus calme et posé. Parce que dans la vidéo que j'avais fait au de 5 minutes, bon, je sais que c'était une erreur d'avoir fait cette vidéo-là et de l'avoir sortie si vite, parce que je n'ai pas travaillé, j'étais, on va dire, j'étais tout chaud patate. Donc voilà. Donc, nous allons reprendre ça en revue tout. Sachez que Maxwell, avant la série d'avant était une série quand même assez performante. Bon, ça dépendait d'un jeu à l'autre. Par exemple, c'est vrai que sur un Assassin's Creed, voilà. Mais bon, après, si le jeu est optimisé comme des pieds, voilà. Bref. Donc, la série Pascal, tout d'abord, est une série qui, Nvidia nous le dit, sera deux fois plus puissante, entre guillemets, que la 1080. 980, pardon, je m'en mêle, et plus puissante que la Titan X. Mais bon, après, on n'a pas tous les avantages de la Titan X. Enfin, les avantages, entre guillemets, on va dire. Car notre Titan X possède 12 Go de GDDR5. Et notre petite 1080 possède 8 12, oui, 12 Go pour la Titan X et 8 Go de GDDR5 X. Donc c'est une nouvelle norme dans les vidéos RAM, donc VRAM des cartes graphiques. Donc nous allons passer en vue quelques schémas, quelques graphiques que j'ai pu avoir sur le net, dont quelques ogs cubiques. Donc ouais, bon, je vais dû mettre cette image avant. Donc ici, que pouvons-nous voir? Nous pouvons voir que la GeForce GTX 1080 ou 1080 pour mes amis suisses pourra faire un calcul de 9 milliards. Elle sera en capacité de faire 9 milliards d'opérations par seconde en continu. Vous allez me dire, ouais, c'est énorme, mais bon. C'est normal en soi. Enfin, on l'espère qu'elle sera rapide. Enfin bref. Donc elle possédera 8 Go de GDDR5 X. Qu'est-ce qu'est la GDDR5 X? On peut se dire que c'est la grande sœur de la GDDR5. En gros, c'est une GDDR5 un peu plus performante, on va dire. Hélas, beaucoup d'entre nous vous pensais que Nvidia allait passer sur la mémoire HBM comme AMD, une mémoire qui, ma foi, est très performante, mais ah bon, après, on ne sait rien, si je ne m'abuse encore, on ne sait pratiquement rien de la GDDR5 X, ce qui veut dire que peut-être qu'on aura des surprises. Donc elle embarquera 8 Go de GDDR5 X. Elle coûtera la production, enfin, la vente au fournisseur coûtera 600$. Donc d'usine, elle coûtera 600$. Si vous l'achetez à l'usine, vous la payerez 600$. Et Nvidia a estimé que les revendeurs la revendraient 600$. 700$, pardon. Ce qui est quand même une différence assez énorme conséquente, mais j'ai l'habitude maintenant de voir des prix aussi exorbitants. Mais bon, quand on a de la qualité, on ne compte pas. Donc personnellement, pour un avis personnel, je pense que la GeForce GTX 1080 sera aux alentours des prix de la 980 actuelle. Si pas un peu plus cher. Voilà. La date de sa sortie est prévue le 27 mai. Mais elle sortira d'usine le 27 mai, mais comptez quelques jours quand même, voire une semaine, 2 semaines, pour que les fournisseurs fassent
la carte graphique, mais à leur image. Par exemple, Asus vont utiliser le DirectX 3, je ne sais pas. Ensuite, MSI va réutiliser le TwinFrozor 5. Ensuite, KFA2 va refaire cette belle carte graphique super puissante pour avoir un rapport qualité-prix hors norme. Performance-prix, pardon. Zotac aussi, enfin... VGA aussi, sans doute que VGA va ressortir sa carte graphique water-coulée. Ainsi que Gigabit qui en ont sorti une. Et d'autres versions comme les Extreme Gaming et tout ça. Donc voilà. Donc personnellement, je préférerais quand même attendre quelques jours. Pour aussi faire en sorte que les cartes graphiques, les puces et en soi les cartes graphiques soient fixées. Ensuite, nous passons à la GeForce GTX 1070, pardon, qui embarquera, elle, 2,5 teraflops en moins. Ça peut être un impact très léger, très minime vis-à-vis de ça. Par contre, elle embarquera aussi, elle, 8Go de GDDR5. Voilà. Ça, on peut se dire, on passe... Dans tous les cas, de toute manière, on garde la même quantité de mémoire, mais peut-être une mémoire un peu moins performante pour la 1070 ou la 1070 pour vous, mes amis français. Par contre, ici, elle sera vendue aux alentours des 380€ en sortie d'usine, sortie de production, et aux 450€ estimés par Nvidia, dollars, pardon, estimés par Nvidia par les fournisseurs. Encore une fois, je vous conseille d'attendre une semaine ou quoi avant d'acheter ces cartes. Pourquoi ? Parce que le souci étant que pour les premières cartes, dans chaque marque, sur chaque production de masse, on dénombre que les premières cartes graphiques à être vendues et à être créées sont les, en guillemets, plus défectueuses. Donc vous pourrez avoir retrouvé du Cold White, etc. Ça. D'ailleurs que Asus... Rogue Asus a décidé de créer d'avoir une usine entièrement robotisée, ce qui fait en sorte que d'accord les cartes graphiques sont plus chères d'un niveau financier, mais ça réduit drastiquement le chance de Cold White que la carte graphique ne soit pas en guillemets adaptée. Ensuite, voilà un petit comparatif entre la 980 et la 1080. Donc l'architecture, c'est normal, on passe de Maxwell à Pascal. La mémoire vive de ces graphiques, on passe de 4Go de GDDR5, on double la capacité de mémoire, et en plus, on passe sur une autre mémoire qui est la GDDR5X, donc une version évoluée, upgradée, si on peut dire, de la GDDR5. La mémoire, quant à elle, aura 10Go de bits seconde. La clock boostée, donc relativisons, donc relative, donc ce sera une fois pour la 980 et pour la 1080 1.4. Donc c'est à dire là en bref, si je comprends bien, d'ailleurs je dis pas que tout ce que je dis est juste, c'est je suis un débutant dans la matière, donc si je dis des conneries, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, ça m'aide à apprendre aussi parce que je débute dans la matière du hardware parce que c'est ma passion. Franchement, c'est devenu ma passion. Je suis fan maintenant d'hardware. Donc voilà. Donc ce sera le coefficient de déblocage de les cartes graphiques. Donc par exemple, vous aurez une carte qui a une clock speed, une vitesse certaine. Et bien, vous pourrez l'augmenter une certaine fois et faire en sorte qu'elle soit encore plus puissante. Donc là, on passe de 1 à 1,4. Bon, là, on croirait que c'est pas beaucoup. Mais quand on regarde actuellement, enfin, actuellement en guillemets, on passe de 1216 à 1733 MHz. Donc là, j'ai envie de dire, il y a quand même un boost de vitesse. Donc on passe quand même. On ajoute 500 MHz en plus. Donc, je pense que personnellement, au niveau des performances,
le renvoyer quand même la 1080. Enfin, je l'espère. J'espère. Après, on peut se dire encore si on reste les pieds sur terre, si on reste réaliste. Certains diront, voilà, c'est une offre de marketing. C'est pour vendre. D'accord, c'est pour vendre, mais bon, enfin, toutes les marques le font. Mais après tout, moi, je personnellement, je reste sur mon avis, je préférerais quand même attendre pour être sûr que d'acheter quelque chose le jour même de sa sortie et m'apercevoir que c'était une grosse arnaque. Donc voilà, enfin, c'est mon avis. Personnellement, j'attendrai. Moi, personnellement, j'attendrai au maximum un mois, minimum une semaine à deux semaines, voire même un mois, franchement, si vous voulez avoir tous les benches. De toute façon, dès le premier jour où la carte graphique sortira aux États-Unis, on aura déjà des benches américains. Ils pourront nous montrer un peu certaines choses parce qu'ils se l'auront commandé. Et de toute manière, connaissant Nvidia, ils vont l'offrir à certains. Enfin, l'offrir, les boîtes vont devoir quand même l'acheter. Mais pour faire des benches et tout ça, enfin, pour tout vérifier. Donc voilà. Enfin, après, franchement, j'espère que ce sera actuellement le cas, que ces cartes graphiques sont aussi puissantes que le prétend Nvidia. Et par contre, quelque chose que j'ai peur, enfin, peur entre guillemets, c'est que en ayant fait ça, ça va écraser AMD, mais d'une de ses forces, parce que enfin, ils sont pas quand même écrasés la R9 Fury X2, qui est la grande sœur de la R9 295X ou 295 pour mes amis belges. Donc je suis belge effectivement. Donc qui est quand même dite la carte graphique la plus performante au monde. Mais bon, la seule chose que j'ai peur, c'est que j'ai dépensé donc 700 ou 800 dollars ou euros dans une carte graphique que AMD quelques mois plus tard va écraser en mettant une carte graphique super puissante à pas à low cost, parce que AMD c'est une bonne garantie performance prix. Mais le souci, c'est que je ne partirai peut-être jamais de ma vie sur une AMD, hormis si un de mes amis a une carte graphique AMD et qui m'en vante ses mérites. Je resterai toujours sur du Nvidia. Pourquoi? Parce que d'après ce qu'on m'a conseillé, oui, je suis ce qu'on me conseille, et évidemment c'est mieux quand on débute. On m'a conseillé de toujours rester chez Nvidia. Pourquoi? Pour les drivers et ainsi de suite. Voilà. Voilà, pour les drivers et ainsi de suite. Car Nvidia, entre guillemets, met à jour ses drivers plus rapidement que chez AMD. Donc, et entre guillemets, à moins de soucis, même si Nvidia a fait un grand fail. Donc, si vous entendez ce chat, ne vous inquiétez pas, je vais le trucider après la vidéo. Non, je déconne, mais il me casse les couilles, c'est menstruation, on va dire. Lol. Enfin, bref. Donc, revenons dans le sujet. Donc, oui. Qu'est-ce que je disais, moi? Oui, franchement, on m'a toujours conseillé de rester chez Nvidia pour les drivers, pour les pilotes, enfin pour tout. Parce qu'on m'a expliqué que oui, AMD, en fait, le truc, c'est qu'ils sortent leurs pilotes, mais ils les sortent super lentement comparé à Nvidia que leurs pilotes. Bon, je dis pas que c'est les meilleurs pilotes au monde. Certes, il y a des pilotes qui sont merdiques, mais il y en a aussi des bons. Enfin, ne pas sortir ça sans contexte, même si on pourrait. Enfin, ouais, on va sortir ça sans contexte. Alors, vous avez deux voitures qui sont les mêmes. Okay. Mais il y en a une, on va la baptiser AMD, qui est un peu plus vieille, entre guillemets. Mais ce sont les mêmes modèles, les mêmes marques. Et Nvidia à droite qui est resplendissante, voilà. Si on les met en route toutes les deux sur la même droite, il y en a une qui va, entre guillemets, se fatiguer plus vite que l'autre. Donc ce sera peut-être la AMD, peut-être la Nvidia, on ne le sait pas. Et tout ça pour vous dire que il ne suffit pas que d'un bon moteur. Enfin, voilà. Enfin, on pourrait considérer les pilotes, voilà, comme des moteurs. Et donc, par exemple, la AMD qui a des pilotes qui se mettent à jour très lentement, elle est un peu moins rapide, on va dire, que la Nvidia qui sort des trucs super vite. Et
En tant qu'être humain, on aura tendance à aller vers la voiture qui est plus neuve, on va dire. Parce que n'empêche que Nvidia met très fréquemment ses drivers à jour. Bon, après, je ne sais pas si AMD, c'est toujours le cas, comme de quoi leurs drivers, ils partent... comment dire ? Que leur... pardon, j'ai bâillé. Donc que leurs drivers sont toujours à jour, enfin, j'en sais rien, personnellement, je m'attache pas vraiment à AMD, donc je ne saurais pas dire. Après, je vais me renseigner, voir ce qui est bon, ce qui est pas bon, enfin, c'est surtout au niveau de ça, parce que je préfère avoir une carte graphique avec ses drivers à jour et tout ça. Et donc voilà, enfin, c'est ce qu'on m'a conseillé, et personnellement, je vais suivre ces conseils-là, et j'espère que ça ira. Donc ensuite, après tout ce blabla, on va sur des performances entre guillemets. Alors, comment dire ? Nous allons regarder les performances entre guillemets ici. La différence entre une 980 et une 1080. Ça fait quand même un choc. Hein. On a peut-être plus. Allez, on va dire 20%. Si pas. Bon, en regardant ça, on va dire la 980, c'est 100%, ok. Et donc, bon, pour la réalité virtuelle, on peut en guillemets dire que la 1080 est à 250%. Voilà, pour donner un chiffre d'idée. Donc, c'est-à-dire 150% plus que la 980, si on calcule comme ça. Ainsi que Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Donc déjà, il précise que c'est DirectX 12. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que DirectX 12 va avoir un impact sur les performances en jeu, parce que DirectX 12 c'est directement le pilote. Enfin bref, voilà. Donc ici, si on compare encore, on peut dire, si on prend toujours en compte que la 980 c'est 100%, que la 1080 serait à 170%. Ce qui veut dire qu'on a quand même 70% de puissance en plus, enfin de performance en plus. Mais bon, après il faut garder à l'esprit que ça c'est relativisé, c'est pas des chiffres tels quels propres nets comme ça, c'est des chiffres imaginés de tout ce qu'on a vu ici. Maintenant de Witcher 3, on va se donner un petit 165% pour la 1080 contre 100% pour la 980, donc se fait 65% de performance, parce que c'est légèrement moins que Tomb Raider. Donc voilà. Après, vous pouvez voir, bon, c'est estimé, évidemment, ce n'est pas des chiffres certifiés par Nvidia, du moins je ne le pense pas. Donc voilà. C'est des chiffres estimés, donc il faut pas vraiment prendre compte à 100%. Donc en fait, oui, toute cette vidéo ne sert à pas prendre au premier degré, mais au second degré. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Parce que... enfin, j'aurais dû le dire en début de vidéo d'ailleurs, parce que tout ce qu'on a ici, on ne peut pas le certifier à 100% actuellement. C'est comme ça. Il faut qu'on attende d'avoir la sortie, donc le 27 mai, je le rappelle, la sortie de la 1080 en deux des fournisseurs, qui, normalement, qu'elle sortirait le mercredi. Mercredi, moi, je sais même pas si c'est mercredi, quoi. Attendez, je vais regarder quand même. Donc le 27, c'est vendredi en plus. Ça tombe bien, c'est vendredi. Vendredi, début du week-end. On achète des choses le week-end, beaucoup de choses. Donc voilà. Enfin bref, donc je rappelle, 1080, le 27 mai, et le 10 juin, la 1070. Mais franchement, conseil, ne pas se ruer dessus. Ne pas se ruer dessus tout de suite. C'est préférable et ça vous fera peut-être économiser de l'argent. Donc attendez une semaine, voire deux semaines, voire même un mois, si vous voulez vraiment faire en sorte que d'être sûr, quoi. D'être sûr à 100%. Bon, après, on peut pas être sûr à 100%. Enfin, si, à ce moment-là, on pourrait être sûr à 100% parce qu'elles seront testées par des gens, par des firmes, bah, comme Overclocking Made in France, comme Test France France, comme ModdingPC.fr, comme bah, LDLC avec leur team. Enfin,
beaucoup de choses comme ça. Donc, personnellement, moi j'attendrai tout ça. Donc ici, comme dans ma précédente vidéo, je vous montre ici ça. Donc ici, c'est la courbe des Maxwell, donc la famille de Maxwell. Alors ici, on relativise encore la performance gaming de ces cartes graphiques, allant de A sur 100 à la Titan X, qui est pour l'instant la plus puissante des Maxwell dans la famille Maxwell. Donc on peut s'apercevoir quand même que la 1080, pour une puissance donc en watts consommée, sera environ une fois virgule quelque chose plus puissante que la 980 de base, voire même elle sera même deux fois plus puissante que la 980 actuelle. Peut-être. On relativise avec ses graphiques, avec ses schémas. Et elle sera peut-être une fois plus puissante que la Titan. Mais après tout, ceci ne m'étonne pas, car on a connu ça avec la Titan Black Edition. Si vous ne vous souvenez pas, c'était une Titan qui s'overclockait. Plus elle était froide, plus elle s'overclockait. Du moins, c'est ce qu'on m'a expliqué. Donc si vous vous souvenez, c'était le must du must, la Titan Black Edition. Et puis ensuite, via 980, qui a écrasé la Titan Black Edition. Donc personnellement, c'est comme ça que je vois les choses, c'est que, comme d'habitude, Nvidia va nous proposer sa gamme 1080, 1070, 1060 et 1050 pour le bas de gamme. Puis, une nouvelle Titan. Il y a une Titan, une seule Titan, que j'aimerais bien revoir un jour en magasin, c'est la Titan Z Black Edition. Je ne sais plus le nom entier. Oui, c'est la Titan Z. Donc vous voyez la grosse carte graphique avec deux GPU Titan et qui prend 3 slots d'extension et qui est juste magnifique. Enfin, magnifique. Mais bon, après, elle ressemble à la 660 Ti, si je ne m'abuse. Je pense que c'est celle-là. Qui embarquait aussi deux puces graphiques, donc elles avaient le même radiateur. Enfin bref, donc voilà, franchement, j'espère que tout ce que j'ai vu avec vous aujourd'hui, se réalisera. Donc je vais vous laisser avec la vidéo, encore une fois, de Nvidia. Je vais vous dire. Peace, les gens.